الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. عشتم تحمد مسك أستاذ علوم طبيعية. لقد جئت تلبية لدعوة من أخي وزميلي محمد يحيى ومحمد عبد الجليل الذي كان له الفضل في إنشاء هذا المشروع الضخم، هذا المشروع الطموح، هذا المشروع الذي يطمح إلى نشر المعرفة في جميع أنحاء العالم بصفة عامة وبأنحاء موريتانيا بصفة خاصة. جئت لأشارك بدوري في هذا الفضل الكثير، وأرجو له التوفيق إن شاء الله، أرجو أن يوفق الله الجميع إن شاء الله. Donc aujourd'hui on va essayer de résoudre un exercice de génétique formelle. J'ai lu l'énoncé de l'exercice. L'exercice dit, on réalise les croisements suivants à partir de la spire de drosophile. Premier croisement, un mâle à corps noir et aux yeux blancs avec une femelle à corps gris et aux yeux rouges. L'AFA obtenu est entièrement à corps gris et aux yeux rouges. Deuxième croisement, un mâle à corps gris et aux yeux rouges avec une femelle à corps noir et aux yeux blancs. L'AFA obtenu est entièrement à corps gris, mais je souligne mais. Je souligne mais parce que c'est très important. Ça va nous aider à résoudre l'exercice. Mais les mâles ont les yeux blancs et les femelles ont les yeux rouges. Interprétez ces résultats en précisant les génotypes des parents et de la F1. Donc il y a quelque chose qui manque ici. Les génotypes de la, permettez-moi de corriger un peu, les génotypes des parents et de la F1. Les génotypes des parents et de la F1 pour chacun des croisements. Deuxième question, réaliser les échiquiers de croisement pour montrer les génotypes et les phénotypes en F2 pour chacun des croisements. Bon, on commence à résoudre l'exercice. Pour la première question, on nous demande d'interpréter les résultats en précisant les génotypes des parents et de la F1 pour chacun des croisements. Mais vous savez qu'en génétique formelle, il faut toujours, en interprétant, commencer par analyser les résultats, c'est-à-dire dire quel est le nombre de gènes que vous traitez, dire est-ce que la transmission est autosomique ou gonosomique, préciser la relation entre les allèles et la relation entre les, c'est-à-dire est-ce que l'un des allèles est dominant ou est-ce qu'il y a une codominance entre les deux, préciser si les parents sont pires ou hybrides, ou l'un est pire, l'autre hybride, et préciser enfin s'il s'agit de dihybridisme ou la relation entre les gènes. Et là, il faut faire attention à ne pas confondre la relation entre les allèles et la relation entre les gènes. Si on parle de relation entre les allèles, c'est-à-dire on parle de dominance ou de codominance. Si on parle de relation entre les gènes, on parle de gènes liés ou gènes indépendants. Donc ici, on nous a dit quelle espèce est drosophile, et ça c'est très important parce que parfois, on cite même l'espèce dans laquelle nous travaillons. Pour voir, parce que vous savez que si les gènes sont liés, le mâle de la drosophile ne fait pas de crossing over. Si par exemple les gènes égonosomiques, on doit savoir est-ce que le système est XX pour la femelle, XY pour le mâle, ou est-ce que c'est ZZ pour le mâle, ZW pour la femelle, par exemple chez les oiseaux et les papillons. Est-ce qu'il s'agit de l'abeille où la femelle a deux gènes et le mâle a un seulement. Donc il est très important de savoir l'espèce. Ici c'est la drosophile. Ensuite, donc, on dit que nous travaillons dans l'espèce drosophique, ça c'est interprétation. On va dire ici, hein, interprétation. Donc, on peut mettre ça sous forme de tiret, comme ça c'est clair. Espèce drosophique. C'est important pour l'élève de savoir l'espèce dans laquelle il travaille. Le nombre de gènes, des gènes étudiés, quels sont ces deux gènes? C'est la couleur du corps et la couleur des yeux. Couleur du corps et couleur des yeux. Maintenant, pour la transmission, est-ce qu'il s'agit de transmission autosomique pour les deux gènes? Est-ce qu'il s'agit de transmission gonosomique pour les deux gènes? Est-ce qu'il s'agit d'une transmission autosomique pour l'un, gonosomique pour l'autre? Là, on va revenir sur l'énoncé de l'exercice.
Il nous dit le premier croisement, un mâle à corps noir et aux yeux blancs avec une femelle à corps gris et aux yeux rouges. L'enfant obtenu est entièrement à corps gris et aux yeux rouges. Ça, c'est pour le premier croisement. Pour le deuxième croisement, on remarque que c'est un croisement inverse, que les deux croisements sont des croisements réciproques, en d'autres termes. C'est-à-dire que le mâle ici qui était à corps noir et aux yeux blancs, là, il est à corps gris et aux yeux rouges. La femelle qui était à corps gris et aux yeux rouges, là, elle est à corps noir et aux yeux blancs. Donc, quels sont les résultats pour ce croisement? Il nous dit que la F1 obtenue est entièrement à corps gris, donc pour la couleur du corps. Mais, j'ai souligné le mais parce qu'il est très important. Il va nous montrer les résultats pour le deuxième gène. Les mâles ont les yeux blancs et les femelles ont les yeux rouges. Ça, c'est très important. Parce qu'on sait que si le sens du croisement modifie les résultats, la transmission autosomique, si le sens du croisement ne modifie pas les résultats, la transmission est gonosomique. Et là, on remarque que pour les gènes couleur du corps, le sens du croisement n'a pas changé, n'a pas modifié les résultats parce que dans les deux cas, la F1 obtenue est entièrement à corps gris. Regardez, entièrement à corps gris, entièrement à corps gris. La F1 obtenue est entièrement à corps gris. Mais pour le deuxième croisement, on remarque que là, tous les individus, qu'ils soient mâles ou femelles, sont aux yeux rouges, alors que là, il y a une spécificité du sexe dans la descendance. C'est-à-dire, en d'autres termes, que la descendance est répartie en fonction du sexe pour les gènes couleur des yeux. Qu'est-ce qu'on conclut alors? On conclut que les gènes couleur du corps est autosomique car le sens du croisement n'a pas modifié les résultats et que pour les gènes couleur des yeux, la transmission est gonosomique. Pourquoi? Parce que le sens du croisement a modifié les résultats. Très bien. Mais quand on parle de gènes gonosomiques, obligatoirement, on doit préciser si les gènes sont portés par X ou portés par Y dans le système XXY dans lequel nous y sommes. Nous sommes ici dans le système XX pour la femelle, XY pour le mâle, parce que nous sommes chez la drosophile. Pour la drosophile et les mammifères, toujours, on a XX pour la femelle, XY pour le mâle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va essayer de justifier cela? On nous dit toujours de regarder les mâles des femmes. Si les mâles des femmes portent le phénotype de la mère, les gènes sont portés par X, parce que là, c'est la mère qui est XX, et elle ne donne à sa descendance mâle que la âme allèle portée par X. Si maintenant les mâles des femmes portent le phénotype du père, ça veut dire que les gènes sont portés par Y parce que le père ne donne à sa descendance mâle que Y. Très bien. Donc regardons bien, observons bien l'exercice. Il nous a dit ici dans le premier croisement que la F1 obtenue est entièrement à corps gris aux yeux. Donc il n'a pas spécifié le sexe, il n'a pas réparti la descendance en fonction du sexe. Donc les mâles ont les yeux rouges. Quel est le parent ici qui est aux yeux rouges? C'est la mère, il a dit avec une femelle à corps gris et aux yeux rouges. Donc c'est la femelle. Les mâles ont le phénotype de la mère dans le premier croisement. Et regardons, est-ce que c'est la même chose dans le deuxième croisement? Regardez ici, on vous a dit que, mais, il a dit que entièrement à corps gris, il a dit mais, les mâles ont les yeux blancs et les femelles ont les yeux rouges. Si les mâles ont les yeux blancs, regardons quel est le parent qui a les yeux blancs. Il a dit un mâle à corps gris et aux yeux rouges, une femelle à corps noir et aux yeux blancs. Donc c'est la mère qui a les yeux blancs. Donc on conclut que les gènes sont portés par X parce que dans les deux croisements, les mâles portent le phénotype de la mère. Donc, en conclusion, les deux gènes. Pour les gènes couleur du corps, la transmission est autosomique. Pour les gènes couleur des yeux, la transmission est gonosomique portée par X. On écrit donc. J'écris. Alors, pour les gènes couleur du corps, pour les gènes couleur du corps, la transmission est autosomique. Mais je dois justifier pourquoi c'est autosomique, car le sens du croisement ne modifie pas les résultats. Car le sens du croisement ne modifie pas les résultats.
Bien. Alors que pour les jeunes, le tiré c'est pour la transmission, mais je mets deux points. L'un pour les jeunes, le premier jeune, le deuxième pour le deuxième jeune. Donc pour maintenant, les jeunes, couleur des yeux, la transmission est gonosomique. Et je justifie pour gonosomique d'abord, après je justifie pour porter par X. Donc la transmission est gonosomique car le croisement, je peux le dire comme je veux. Je peux dire le croisement et le croisement inverse donnent des résultats différents. Je peux dire les croisements réciproques donnent des résultats différents. Je peux dire le sens du croisement modifie les résultats. Je peux le dire. Donc pour les gènes couleur des yeux, la transmission est gonosomique car le croisement et le croisement inverse. Donc j'ai utilisé deux versions pour vous dire que tout est possible. On peut l'utiliser comme on veut, car le croisement et le croisement inverse donnent des résultats différents. C'est comme j'ai dit dans le premier, le sens du croisement ne modifie pas les résultats. Ça, là, j'aurais pu dire, car le sens du croisement modifie les résultats. Bien. Donc, maintenant, je dis que ce gène est porté par X. Ce gène est porté par X. Porté par X, car les mâles des F1 portent le phénotype de leur mère. Bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai encore à... Maintenant, je dois justifier la relation entre les allèles. Est-ce qu'il y a dominance ou non? Et là, j'ai deux gènes. J'ai l'un autosomal, l'autre gonosomal porté par X. Pour les gènes autosomiques, vous savez que je dois chercher la F1. Si la F1 porte un phénotype parental, il y a dominance, c'est ce phénotype qui est dominant. Si elle porte un phénotype intermédiaire, ça veut dire que c'est un cas de codominance. Pour les gènes gonosomiques portés par X, je dois regarder les femelles de F1. Je ne regarde pas toute la F1 parce que dans la F1, il y a des mâles et des femelles. Donc, je regarde la femelle des F1 parce qu'ils ont deux allèles. Ils peuvent porter deux allèles. Elles peuvent porter deux allèles. Si les femelles des F1 portent un phénotype parental, c'est ce phénotype qui est dominant. Si les femelles des F1 portent un nouveau phénotype, c'est un cas de codominance. Regardez avec moi pour la transmission, pour les gènes autosomiques. Ici, on a dit que la F1 obtenait entièrement accordé dans le premier croisement. Dans le deuxième croisement, on a dit que la F1 est entièrement accord gris. Donc, ça ne pose pas de problème. Pour les gènes autosomiques, gris est dominant, noir est récessif. Pour les gènes gonosomiques portés par X, on peut le prendre à partir de ce croisement parce que rouge est apparu dans la F1. Mais pour vous préciser que dans les gènes gonosomiques, il y a des justifications qui nous sont particulières. On regarde les femelles des F1. Ça reviendra au même. Ici, les femelles des F1 portent les yeux rouges, regardez. Et dans les désencouragements aussi, les femelles des femmes portent les yeux rouges. Donc rouge est dominant par rapport à blanc. Donc je récapitule. Pour la dominance, c'est le quatrième tiré. Cas de double dominance. Gris. Que je symbolise par grand G, domine N, noir, que je symbolise par petit N. Je peux aussi écrire grand G supérieur, c'est un symbole mathématique, AN, ça veut dire que ça domine. Ici, rouge, que je symbolise par grand T, domine blanc, que je symbolise par petit B, grand T, domine petit B. Voilà, c'est un cas de double dominance. Maintenant,
Qu'est-ce que je dois regarder? Je dois regarder la relation entre les jeunes. Pour la relation entre les jeunes, j'aurais dit ça juste après la transmission. Parce que je sais que si un jeune est autosomique, l'autre est gonosomique, obligatoirement, ils sont indépendants. Dans ce cas, ce n'est pas la peine d'attendre la FD ou le test cross, parce que vous savez que normalement, dans un exercice de génétique formelle, normalement, on attend la F2 pour préciser si les gènes sont indépendants ou non. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de l'attendre parce qu'un gène est autosomique, l'autre est gonosomique, donc automatiquement, ils sont indépendants. Gène indépendant, car l'un est autosomique. L'autre est gonosomique. Bien. Je signale seulement ici, j'ai écrit en bas que les parents sont purs. C'est déjà signalé par l'exercice. Il a dit on réalise les croisements suivants à partir de race pure. Donc l'exercice nous a signalé cela. Et quand même, mais c'est reste qu'on le signale, parents purs. C'est signalé dans l'énoncé. Bien. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste maintenant d'écrire les génotypes parce qu'on m'a demandé d'interpréter les résultats en précisant les génotypes des parents et de la F1 pour chacun des croisements. Donc je commence par le premier croisement. Premier croisement. Premier croisement. On m'a dit un mâle et là. Je vous rappelle que l'un des gènes est autosomique, l'autre est gonosomique. Donc pour l'un, ce n'est pas la peine d'écrire X ou Y, pour l'autre, j'écris X et Y. Donc pour le premier, la couleur du corps, j'écris que il m'a dit ça, c'est les parents ici. Parents. On m'a dit qu'il est à corps noir. Ça, j'ai écrit comme ça, parce qu'il est de la spire, porte le phénotype récessif, et il est autosomique. Pour l'autre, il a dit que les yeux sont blancs. Je sais que les gènes sont portés par X, Y ne porte rien ici. Donc, j'écris les petits b parce que c'est récessif aussi. Pour la femelle, ça c'est le mâle. Pour la femelle, elle a un corps gris. Gris est dominant, j'ai écrit avec une grande lettre. Les yeux sont rouges et la race est pure. J'écris X grand R, c'est X grand R. D'accord? Donc, pour les gamètes, et là, je rappelle, et ça c'est très important que tout le monde doit mettre en tête. C'est quelque chose qui va vous aider dans tous les exercices. Dans le hybridisme, si les deux gènes sont purs, l'individu fournit un seul type de gamète. Si l'un des gènes est pur, l'autre est hybride, il fournit deux types de gamètes. On dit qu'il est semi-hybride. Si les deux gènes sont hybrides, on a trois possibilités. Si les gènes sont indépendants, ils fournissent 4 types de gamètes de proportion égale, encore. Si maintenant les gènes sont liés, la liaison est absolue, ils fournissent 2 types de gamètes de proportion égale en demi. Si maintenant les deux gènes sont hybrides, les gènes sont indépendants, l'individu, on dit aussi le dit hybride, parce que l'hybride dans les deux gènes, dit veut dire 2, il fournit 4 types de gamètes de proportion. L'individu fournit un seul type de gamètes. Que les gènes soient indépendants ou soient liés, c'est la même chose, en ce type de gamètes. Si l'un des gènes est pire, l'autre est hybride, l'individu fournit deux types de gamètes, que les gènes soient indépendants ou soient liés. Maintenant, si les deux gènes sont hybrides, on a trois cas. Le cas où les gènes sont indépendants, il fournit 4 types de gamètes de proportion égale, encore. Si maintenant les gènes sont liés, la liaison est absolue, il fournit 2 types de gamètes de proportion égale en demi. Si les gènes sont liés et la liaison est partielle, il fournit 4 types de gamètes de proportion inégale, A-P sur 2. Ça, c'est un rappel qui est important pour vous résoudre vos exercices. Je reviens sur mon exercice. J'ai deux gènes qui sont purs, donc la femelle va fournir un seul type de gamète. Mais le mâle qui est là, le mâle, pour les gènes gonosomiques, on dit qu'il est hémizygote. Pour la femelle, on dit qu'il est homozygote, c'est-à-dire même, homo veut dire même, homozygote, pur pour les deux gènes. Là, je ne dis pas homo, je dis hémizygote, et c'est un terme qui est très important à mettre aussi dans la tête. Et je vous dis aussi que pour un mâle, dans un gène gonosomique porté par X ou porté par Z, c'est la même chose, un mâle est toujours pur.
Dans le système XXY, il est toujours pi, il est toujours hémizygote, il fournit toujours des types de gamètes. C'est le même cas pour la femelle dans le système ZZZW. Dans le système ZZW, c'est la femelle qui porte ZW, donc elle est toujours pi, elle fournit toujours des types de gamètes, et elle est hémizygote. Le terme hémizygote est très important. Là, on va voir des types de gamètes, parce que pour les gynotosomes, il va fournir un seul type de gamètes, mais il va être associé à un gamète pour les gènes gonosomiques et l'autre gamète. Donc on aura, pour le mâle, on aura deux types de gamètes. On aura NXB comme gamète et on aura NY comme gamète. Pour la femelle, on a un seul type de gamète XR selon ce que je viens de dire. Pour la F1, si ce gamète est associé avec celui-là, on va mettre les gènes autosomiques d'abord, G sur N, G vient de la femelle, N vient du mâle. Et on aura XR qui vient de la femelle, XB qui vient du mâle. Pour la deuxième association, c'est celle qui est entre un gamète NY et GXR. Donc on aura G sur N, et c'est tout à fait normal, et XRY. Voilà. On a ici un demi de femelles qui ont toutes GR. Et là aussi, je vous signale que pour le phénotype, quand les gènes gonosomiques, on ne parle pas de X ou de Y. On met le phénotype sans X et sans Y. Là, on a un demi de mâle qui a GR. Ce qui nous fait 100% de GR, comme a dit l'énoncé. Ici, il nous a dit, la F1 obtenue est entièrement accordée aux yeux, ce qui est conforme avec la F1. Donc, on passe au deuxième croisement. Deuxième croisement, pour voir les génotypes des parents et les génotypes de la F1. Pour les parents, on a le mâle, il était à corps noir, maintenant il est à corps gris, donc on met grand G, les gènes autosomiques, donc le mâle et la femelle, on les traite de la même manière. Mais maintenant il a les yeux rouges, donc XR, Y. La femelle, elle est de corps noir, donc petit n sur petit n. Elle est aux yeux blancs, X, XB, XB. D'accord. Elle est de race pure. Pour la mâle, donc les gamètes. Pour la mâle, il aura grand G, XR. Ça c'est un gamète, et grand G, Y, ça c'est un deuxième. Je viens de dire que le mâle, en les gènes gonosomiques, il est toujours hémizygote, il donne toujours des types de gamètes. Il est toujours pur, bien sûr. Pour la femelle, elle a un seul type de gamète, car elle est pure pour les gènes. Et maintenant, la F1 obtenue. On va remarquer que pour les génotypes de la femelle, on aura exactement la même chose. On avait ici grand G sur petit n, XR, XB. C'est exactement ce qu'on va voir ici. Grand G, N. Pour le deuxième gène, c'est XR sur XB. Là, le grand G sur petit n. Mais maintenant, c'est XB sur Y. Donc là, on a un demi de femelle qui est GR et là un demi de mâle qui est GB. Est-ce que c'est conforme avec les énoncés? Regardez bien ici. On nous a dit que la F1 obtenue est entièrement à corps gris, mais les mâles ont les yeux blancs et les femelles les yeux. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Ici, grand G, donc 100% de gris. Là, c'est rouge, ça, c'est blanc. Donc, les résultats sont conformes. Donc, notre démarche est correcte. Ce qu'on a adopté comme méthode est correct. Maintenant, on passe à la deuxième question. Il nous demande de faire les échiquiers de croisement pour les deux croisements. Donc, on va effacer cette partie. Donc on va répondre à la deuxième question. La deuxième question, elle dit réaliser les échiquiers de croisement pour préciser les génotypes et les phénotypes en F2, pour les deux croisements. Donc, je rappelle que pour F2, donc F2 égale F1 croisé avec F1, une autre fécondation. Donc, je rappelle que pour le premier croisement,
premier croisement. F1, pour les femelles, on avait G sur N, XR sur XB. Pour les mâles, on avait G sur N, XR sur Y. C'était les génotypes A, F1, pour le premier croisement. Donc là, je m'arrête un tout petit peu pour rappeler que les gènes sont indépendants, ce qui signifie que la troisième loi de Mendel est vérifiée. Donc c'est un brassage interchromosomique. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire que le brassage interchromosomique est différent du brassage intrachromosomique. Si nous sommes dans des gènes liés, on parle de brassage intrachromosomique. Si nous sommes dans des gènes indépendants, comme notre exercice ici, le brassage est interchromosomique. Donc ça nous permet d'écrire les gamètes fournis par chaque parent, qu'on va mettre directement dans le tableau de croisement. Donc, les gènes sont indépendants. Les gènes sont indépendants. Donc, la troisième loi de Mendel est vérifiée. C'est-à-dire un brassage interchromosomique. Et là, je vous parle maintenant en tant que scientifique. Il faut toujours, quand vous voyez un mot, il faut toujours essayer de le décomposer, de voir son étymologie, de quoi il y a interchromosome, c'est-à-dire entre deux paires de chromosomes différents. Si on dit intrachromosome, ça veut dire entre, au sein d'une seule paire, au sein d'une même paire. Donc interchromosomique, c'est inter qui est différent de intra, interchromosomique. C'est-à-dire le brassage est entre deux paires différentes, d'où gamètes de F1. D'où gamètes de F1. Et là, je fais mon tableau de croisement. Je vais mettre directement les gamètes dans le tableau. Donc, faire un tableau et je sais que j'aurai un tableau de 16 colonnes. Pourquoi 16 colonnes? Parce que j'ai ici une femelle qui est hybride pour les deux gènes. Donc, j'aurai ici deux gamètes, ici des gamètes, deux fois deux égale 4. J'ai ici des gamètes parce que j'ai un gène hybride. Et j'ai ici des gamètes parce que j'ai un mâle hémizygote. Donc 2 fois 2 égale 4. 4 fois 4 égale 16. J'aurai un tableau de 16 colonnes, 16 proportions. Donc, je mets directement les gamètes. J'ai la première colonne. C'est pour les gamètes. 1, 2, 3 et 4. C'est au total 5, mais la première colonne, c'est pour les gamètes. Horizontalement aussi, j'ai 1, 2, 3 et 4. Là, j'ai le mâle, je vais mettre ici la femelle. X, ça veut dire G sur N. XR sur XB. Là, j'ai le mâle. G sur N. XR sur Y maintenant. C'est simple. Il est simple de trouver les gamètes fournies par un individu. Vous allez prendre le premier allèle du premier gène et vous l'associez aux deux allèles du deuxième gène. C'est-à-dire le grand G avec les XR, le grand G avec les XB. Vous finissez avec, vous prenez le deuxième allèle, le petit n avec les XR et le petit n avec les XB. Vous faites exactement la même chose ici. D'accord? Donc j'aurai pour la femelle, X, j'ai ici les GXR, j'ai les GXB, j'ai le NXR et j'ai le NXB. 4 gamètes. Pour le mâle, j'aurai GXR, GY, N,
XR GDN Y. Voilà. Là, j'attire votre attention. Essayez toujours de faire attention et d'être très concentré quand vous faites un tableau comme celui-là. Parce que vous avez 16 colonnes et vous avez deux gènes, l'un autosomal, l'autre gonosomal. Dans tous les cas, dans deux gènes, vous essayez toujours d'écrire les deux allèles dans le même gène ensemble sur une même paire. Par exemple, ici, moi, je vais prendre le grand G ici, ça représente les gènes couleur du corps. Je prends le G parce que c'est lui qui représente la couleur du corps ici. Là, j'ai le XR. XR. Quel est le phénotype ici? Le phénotype ici, c'est grand G, grand R. Et c'est tout à fait normal parce que ici, j'ai le R. J'ai ici le G et le R. Dans tous les cas, dans toutes les quatre colonnes ici, j'aurai grand G, grand R parce que j'ai ce gamète. Et dans toutes les quatre colonnes, j'aurai grand G, grand R parce que j'ai ce gamète. D'accord? Bien. Donc ici, pour finir avec cette colonne, j'aurai grand G ici, grand G. Là, j'ai XR, XB. J'aurai ici grand G, grand R. Là, j'ai grand G, petit n, XR, XR. Donc, c'est toujours grand G, grand R. Là, j'ai grand G, petit n, XR, X petit b. C'est grand G, grand R. Là, j'aurai la même chose. Donc moi, ici, parce que je suis en train de vous expliquer pour vous permettre de bien comprendre, je vais commencer par faire tout ce qui est de phénotype grand G, grand R. Et c'est clair que les quatre auront tous G, grand R parce qu'on a un gamète ici de phénotype grand G, grand R. Et dans les quatre, on a aussi la même chose à cause de ce gamète. Vous avez ici grand G, grand G, X grand R, Y. Et on va voir qu'on aura une colonne de femelle, une colonne de mâle, une colonne de femelle et une colonne de mâle horizontalement. Si j'avais mis le mâle de ce côté, la femelle de ce côté, l'alternance sera verticalement. Une colonne de femelle, une colonne de mâle, une colonne de femelle et une colonne de mâle. Ça veut dire que ça dépend de la position du mâle, où il est. Bien, ici j'ai sur R. Le phénotype grand G, grand R. Là, vous avez grand G, XB, Y, c'est le génotype. Le phénotype, c'est grand G, petit b. Le grand G, petit b. Ici, vous avez, c'est pas la peine de vous dire que ça c'est un génotype et ça c'est un phénotype, je le rappelle quand même. C'est grand G, petit n, X, grand R, Y. Ça, c'est grand G, grand R. Là, vous avez grand G, petit n, XB, Y. Là, vous avez grand G, petit b. Ici, vous avez, je voulais commencer par tous les phénotypes grand G, grand R, mais en faisant le tableau, j'ai fait le tableau, donc je n'ai pas respecté ce que j'avais dit. Excusez-moi. Grand G, donc grand G, grand R. Ici, vous avez, pour continuer avec le grand G, grand R, vous avez le grand G, petit n, XR, Y. Ça, c'est grand G, grand R. Ici, dans cette colonne, on a grand G, petit n, XR, XB. Donc, nous revenons à grand G, grand R. Là, on a petit n, X grand R, X grand R.
Ici, c'est petit n, petit r, grand R. Là, vous avez petit n, x, r, x, b, le phénotype, et n, r. Là, vous avez grand G, petit n, x, b, y. Donc, le phénotype est grand G, petit b. Là, vous avez petit n, x, r, y. Là, vous avez petit n, grand R. Et en, dans la dernière colonne, on a petit n, x, b, y. C'est les n, b. D'accord. Mais là, suivez bien avec moi, je vous aide à retenir ce tableau. Si vous remarquez que dans les quatre colonnes ici, il y a toujours GR. Dans les quatre, même s'il y a grand G, grand R, et vous avez deux colonnes ici. Si on regarde, on a un triangle rectangle. Les mathématiciens vont me pardonner pour parler un peu en termes mathématiques. Donc, vous avez ici ce triangle qui est en fait rectangle. Il me permet de passer par tout ce qui est GR. Tout ce qui est GR. Donc, les 9, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 16e de phénotype grand G, grand R. Je les mets ici dans proportion et phénotype. Proportion et phénotype. Proportion et phénotype. Ici, vous avez 9 16e. De grand G, grand R. 3 16e de quoi? Regardez ici un autre petit triangle. Donc on peut remarquer un petit chevauchement entre les différents triangles. Le deuxième triangle, c'est N. Vous avez ici NR. Le GB qui est là. Vous avez le GB qui est là. Le GB. Là, vous avez un GB. Là, vous avez un GB. Et là, vous avez un GB. Maintenant, vous pouvez vous orienter, même si vous fermez les yeux, vous trouvez là où ils sont. Parce qu'il y a ici un GB là et un GB là. Vous voyez, pour le deuxième phénotype recombiné, c'est le NR. Le NR, c'est un petit triangle qui est là. Qui est là, le NR, NR, NR. Voilà, vous avez ici. Un autre triangle, NR, NR, NR. Et pour la dernière colonne, il y a le NB, c'est-à-dire le double récessif. Et dans cette colonne, c'est là où la deuxième loi de Mendel est vérifiée. Parce qu'on dit que la deuxième loi dit qu'un gamète est toujours pur car il ne porte qu'un seul allèle d'un gène donné. Donc le NB, c'est la dernière colonne, c'est un 16e. Bien sûr, c'est un quart fois un quart. Un quart fois un quart égale un 16e. Un fois un, 4 fois 4. Bien, donc on me demande de faire un deuxième tableau pour le deuxième croisement. Donc pour le deuxième croisement, je vais faire un deuxième tableau. Proportion et phénotype ici. Donc, je fais un deuxième tableau pour le deuxième croisement. Mais avant de faire le deuxième tableau, je fais exactement la même chose pour le deuxième croisement. Donc, F2 égale F1 fois F1. Pour le deuxième croisement, qu'est-ce que j'avais dans le deuxième croisement? J'avais, c'est bien sûr que F2 égale F1 fois F1. J'avais pour la femelle grand G sur petit n, XR sur XB.
Pour le mal, j'avais Granger sur petit n, mais XB sur Y. Donc je vais faire, j'ai déjà dit que les jeunes sont indépendants, qu'il y a brassard et intervenant, donc je mets les gamètes directement. Je mets les gamètes directement. Bien. Ça c'est la première colonne horizontale, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième et c'est la quatrième en face. Voilà. Si je mets la femelle ici pour voir qu'il y aurait une colonne de femelle et une colonne de mâle horizontalement, la femelle elle est grand G sur petit n, XR, c'est le même génotype, c'est le même génotype que dans le premier croisement. XR sur XB. Ça c'est XB. Le mâle, il est grand G sur petit n, pour les génotosomes c'est la même chose, mais là il est XB, Y. Donc si j'écris les gamètes du mâle, là je n'ai pas fini d'écrire les. Donc GB, 3/16 de NR, et 1/16 de NB. Bien, ici vous avez, pour les gamètes du mâle, vous avez G, XB, vous avez GY, vous avez NXB et vous avez NY. Pour la femelle, vous allez remarquer que j'aurai les mêmes gamètes pour la femelle que dans le premier croisement parce que c'est le même génotype. Donc les mêmes gamètes. GXR, GXB, NXR, NXB. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurai comme génotype et phénotype? J'aurai ici grand G, grand G, XR sur XB. Donc, j'aurai GR comme phénotype. Là, G sur G, XB sur XB. Vous remarquez que ce n'est pas la même chose. G, là c'est G, ça c'est GB. Quelle est la différence entre ici et là? Ici vous avez GXB pour le gamète mâle, alors que vous aviez le GXR pour le gamète mâle dans le premier croisement. Donc, ça va faire la différence. Ici, vous avez G sur N, XR sur XB. Le phénotype est G, GR. Là, vous avez G sur N, et là, vous avez XB sur XB. Vous avez ici comme phénotype GB. Là, vous avez G sur G. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des choses que vous allez remarquer qui feront la différence entre le croisement, la F2 du premier croisement et la F2 du deuxième croisement. Et ça sera important ultérieurement pour vous. Voilà. Vous avez ici G sur G, vous avez XB sur Y, donc vous avez ici GB. Là vous avez G sur N, bien. Donc ici on a G sur N, XR sur Y. Et là on va remarquer une différence très nette entre les deux tableaux. Là vous avez G sur N, vous avez XB sur Y. Là, le génotype est GR.
Le phénotype, pardon. Le phénotype est GR. Ici, c'est GB. Bien. Là, on a G sur N. XR sur XB. Donc, c'est GR. Là, vous avez G sur N. XB sur XB. Donc, GB. Là, vous avez N sur N. XR sur XB. Donc, le phénotype sera NR. Vous avez N sur N et XB, XB. On a comme phénotype NB. Là, vous avez G, pardon, G sur N, XR, Y. Le phénotype est GR. Ici, vous avez G sur N et XB. Et ce n'est pas par hasard qu'on a mis les deux traits. Il y a des élèves qui mettent un seul trait. C'est une paire de chromosomes. Chaque trait correspond à un chromosome. Donc, XB, Y. Là, le phénotype est GB. Vous avez N sur N. Vous avez XR, Y. Là, c'est N, R. N sur N. Et XB sur Y. Donc, NB. Bien. Regardons maintenant les phénotypes et les proportions. Là, ici, proportion et phénotype. Proportion et phénotype. Voilà. Regardez. Regardons les GR. Combien de fois on a les GR? On a ici, dans toutes ces quatre colonnes, il est obligatoirement GR parce qu'on a un gamète GR. Quel que soit l'autre gamète, le phénotype sera GR. Donc 4. 4 ici. 5 là, parce qu'on a R qui vient de ce gamète et G qui vient de ce gamète. On a ici un autre. Les R qui viennent de là et les G qui viennent d'ici. On a ici un. Donc au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6. Mais dans ces tableaux, je reviendrai sur le premier tableau pour revenir au sexe, parce que dans le premier croisement, je n'ai pas parlé du sexe. Ici, vous avez. Mais les deux tableaux sont différents. Vous avez ici 6 16e. Donc, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 16e. 6 16e de GR. Pour les 7, je reviendrai après. Je regarde les GB. Les GB. J'ai combien de GB? J'ai 1. 2, 3, 4, 5, 6 aussi GB. J'ai 6 16e de GB. J'ai combien de NR? J'ai 1, 2, 2 16e de NR. J'ai combien de NB? J'ai 1, 2, NB, 2 16e. Est-ce que j'ai un total de 16? J'ai ici 6 plus 6 égale 12, plus 2 égale 14, plus 2 égale 16. Donc j'ai un total de 16. Mais là,
lorsque j'ai fini des tableaux, je vais revenir sur des remarques très importantes. Pour le premier tableau, je n'ai pas parlé de cycle pour vous montrer que si même les gènes, l'un est autosomal, l'autre est monosomal, on trouve toujours 9, 3, 3, 1. Ici, on a un autosomal et l'autre monosomal, mais on a trouvé les mêmes proportions que des gènes autosomes. Pourquoi? Parce que ici, le mâle porte le phénotype dominant. Mais si je reviens sur le sexe, dans les 9 16e, combien il y a de femelles, combien il y a de mâles? Regardez ici, pour cette colonne, j'ai 4 16e. Pour la colonne des mâles, j'ai 2. Pour la colonne de femelles, j'ai 1. Donc j'ai au total 9, mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 16e de femelles. 6 16e de femelles. Combien de mâles? J'ai 1, 2, 3. Donc, les 9 16e sont répartis ainsi. Le 9 16e de GR, ça c'est le premier tableau. Le 9 16e de grand G, grand R. 6 16e femelles, 3 16e mâles. Pour le deuxième phénotype, c'est-à-dire pour les phénotypes recombinés, GB, j'ai 3 16e. Regardez dans cette colonne des femelles, vous avez. Je n'ai même pas de femelle GB. Donc j'ai. Et c'est tout à fait normal, je ferai la remarque. J'ai 2 ici, j'ai 1 là. Les 3 16e de GB, c'est des mâles. Et c'est tout à fait normal. Et ça va vous aider aussi dans les exercices. Si les gènes sont indépendants, l'un autosomal, l'autre gonosomal, le phénotype récessif du gène gonosomal n'est jamais présent chez les femelles. Il est présent toujours chez les mâles. Donc les GB et les NB, on n'allait jamais les trouver chez les femelles. Vous avez ici, pour le NR, le NR, c'est 3 16e. NR. Regardez, les NR, chez les femelles, il y a 2. Chez le mâle, il y a 1. Donc, 2 16e chez la femelle, 1 16e chez le mâle. Pour le NB, il existe uniquement chez les mâles. Donc, ça c'est uniquement chez le mâle. Chez le mâle. En 16e chez le mâle. Donc, 9, 3, 3, 1. Si un gène est autosomal, l'autre est gonosomal, vous ne trouverez jamais GB ni NB chez les femelles. C'est un phénotype qui est particulier au mâle. Et parfois, on vous pose la question dans l'exercice. On vous donne le résultat et on vous dit. On remarque que on vous donne les génotypes dans l'exercice concerné et on vous dit ne se trouve que chez les mâles. Qu'est-ce que vous pouvez conclure? On conclut que c'est le gène qui est absent chez la femelle est un gène monosomique parce que le mâle ici apporte le phénotype dominant. Si je regarde l'autre tableau, c'est un peu différent parce que le mâle ici porte le phénotype récessif. Regardons les GR. Les GR, on a ici un 16e chez les femelles, 2 16e. 3 16e, donc 3 16e chez les femelles, 3 16e, donc chez, regardez les mâles, on va regarder ici, GR, on a 1, 2, 3, donc 3 16e chez les mâles, ça va de soi. Pour les GB, regardons pour les femelles GB, j'ai 1, 2, 2, 3. J'ai 3 16e des femelles et j'ai obligatoirement 3 16e chez les mâles, mais je m'en rassure. Voilà, j'ai ici 1, 2 et 3. 3 16e chez les mâles. Regardons le NR, petit N grand R. Petit N grand R pour les femelles, j'ai ici 1, pour les mâles, j'ai 1. Donc, 1 16e pour les femelles, 1 16e pour les mâles.
Pour les NV, j'ai un 16e pour les femelles, un 16e pour les mâles. Voilà. Si je regarde par exemple ici combien j'ai de femelles, les 3 16e plus 3 16e, ça me fait 6 16e, 7 16e, 8 16e. Donc j'ai 8 16e, un demi de femelles. Pour les mâles, j'ai la même chose. 3 plus 3 égale 6, plus 1 égale 7, plus 1 égale 8. Donc un demi de mâle et un demi de femelle, c'est tout à fait normal. Si je regarde parce que je sais que j'ai un gène autosomal, obligatoirement en effet, normalement, je dois avoir 3 quarts du phénotype dominant gris. Et un quart du phénotype récessif noir. Si je regarde ici, je regarde les gris, qu'il soit mâle ou femelle, j'ai 9 16e plus 3 16e, ça me fait 12 16e. 12 16e, je peux le simplifier par 4 et je trouve 3 quarts, 3 quarts de gris. Et là, j'ai 3 16e de noir, 1 16e, c'est celui qui me fera 4 16e de noir. 4 16e, c'est un quart. Donc, c'est tout à fait normal que je trouve dans un monohybridisme avec dominance, 3 quarts du phénotype dominant et un quart du phénotype récessif. Séparer les gènes, c'est très important dans les exercices parce qu'on comprend beaucoup plus. Là aussi, si je prends le gris, j'ai 6 16e de gris, 6e, c'est voilà, 12 16e. 12 16e, c'est 3 quarts. 2 quarts de N et des quarts, 2 16e de N et 2 16e de N, ça me fera aussi 4 16e, ce qui fait un quart. C'est clair? Donc, j'espère que vous avez tiré profit de cet exercice. Je vous souhaite bonne chance. À la prochaine.